Une petite ode à nos amis de la milice locale. Le fond de la botte qui claque. Les képis sont tous de sortie, car un nouveau contrôle commence. Hiver, printemps, automne, été. À Couvain, c'est une évidence. Passent les jours et les semaines, dans leur tête rien qui évolue. La mentalité est la même, faut qu'on raque, amende qui tue. 17 combis, 5 de la douane, des chiens qui gueulent dans leur cage, des mitraillettes en bandoulière, c'est la guerre dans nos campagnes. Couvain est un pays de flics, à chaque coin de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils verbalisent l'indépendant. Ça fanfaronne sur les réseaux, on compte les prises de la journée. Les pauvres gars que l'on rançonne, ils se sont bien fait dégommer. Faut être en ordre d'assurance, pour payer ta taxe annuelle. Faut vendre des pneus chers et vilains, tout ça pour nourrir le Michel. Être né sous le signe du fond de la botte, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Sud sombre et meux, c'est pas la plage, on te le rappelle tous les matins. Et matraque, c'est pas assez. Les militaires qui débarquent à coups de drones et de blindés, c'est peur la bourre sur la place verte. Les locaux sont désabusés, beaucoup ne veulent pas de cette milice. Alors on ramène de la ville des Charles Bronson moitié taré. Kevin sort son taser et électrocute les vieilles dames. On sait jamais et si ça se trouve, sont tous des vendeuses de cam. Pendant ce temps-là, les vrais flingueurs font les poches de nos commerçants. Les camions bousillent la chaussée, les videurs massacrent nos enfants. Ici c'est tolérance zéro, les chimassiens ne débarquent plus. Du coup, les restos du coin remplacent l'apéro par de l'eau. On se débarrassera des camions, c'est leur beau con avec leur beau contournement. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse de même avec leurs chefs tous des tyrans. Être né sous le signe du fond de la botte, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi Raymond qui est sur son trône, est-ce qu'il s'en fout? Ça, j'en suis sûr. À la pompe, Lucoy s'affrétille, rond-point rue de la Libération. L'endroit, c'est leur champ de bataille, l'a jamais si mal porté son nom. Au cheval blanc, on flash des grands-pères, 30 km heure, c'est déjà trop. Dans le coffre, y'a sûrement de la bière, tous au cachot, tous des salauds. Ça voudrait rendre sécurisant, ça voudrait bien se faire aimer. Mais cet état de siège permanent, ça nous donne juste la nausée. Stoppez le racket immédiatement, ceux que vous plantez sont vos semblables. À part le képi et la moustache, on mange tous à la même table. Être né sous le signe du fond de la botte, les couvinois ils en ont marre. Si le roi Raymond perdait son trône, y aurait 10 000 képis qui postulerait.